L'assemblée générale va entendre une allocution de son éminence, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège. Je demande au protocole d'accompagner son éminence et l'invite à prendre la parole devant l'assemblée générale. Monsieur le Président, c'est pour moi un honneur de saluer chaleureusement la présidence et tous les représentants, toutes les représentantes des nations assemblées ici, de sa sainteté le pape François, tout en vous félicitant aussi, Excellence, après votre élection à la présidence de cette auguste assemblée. Monsieur le Président, le Saint-Siège est vivement préoccupé par le fait que nous sommes les témoins d'une multiplication préoccupante du nombre de conflits partout dans le monde et par la force de leur violence. Ces conflits sont les responsables de pertes de vies innocentes significatives et de destructions inouïes. 75 ans après la ratification des conventions de Genève, le droit humanitaire est encore et toujours mis à mal et de plus en plus souvent violé. Cibler les lieux de culte, des institutions d'enseignement, de centres médicaux et d'autres infrastructures civiles est un phénomène récurrent. Le Saint-Siège appelle à un respect strict du droit humanitaire international dans tous les contextes de conflits armés. La situation est encore plus complexe lorsque l'on réfléchit au rôle déstabilisateur souvent joué par les acteurs étatiques, non étatiques violents dans toutes les crises partout dans le monde. Il est impératif que ces groupes cherchent à collaborer constructivement avec les États, qu'ils renoncent à la violence et aux actes de terrorisme et se remettent du côté de la légalité. La paix n'est possible que si elle est désirée. La quête de paix est une responsabilité collective. Il est impératif de se départir de la rhétorique et de cette tendance à céder un con accusateur. Cela étant dit, en réalité, il n'existe pas de véritable engagement en faveur de la paix. En temps de conflit, souvent, d'aucuns ont tendance à mettre la priorité sur une victoire militaire au détriment de la quête de paix. C'est à la diplomatie de faire montre d'un engagement sans ambages afin de parvenir à des solutions de négociation pour faire émerger une paix durable. Cela étant dit, pour parvenir à la paix, nous ne pouvons pas tout simplement éliminer les instruments de guerre. Non, les causes profondes de la guerre doivent être éradiquées. Et parmi les grandes causes, il y a la faim, un fléau qui continue de frapper de régions entières de notre monde alors que d'autres régions connaissent un gaspillage d'alimentation immense. Quoi qu'il en soit, les tendances sont les suivantes. Les dépenses militaires se multiplient alors que nous essayons aussi de parvenir au développement durable. Le pape François exhorte les pays riches à reconnaître la gravité de nombreuses décisions prises et les encourage à décider à remettre les dettes des pays qui ne pourront jamais les rembourser. Il est aisé de se reposer sur ses lauriers ou de se laisser abattre face à cette source inextinguible de nouvelles formes de pauvreté. Cela étant dit, ces situations dramatiques se retrouvent partout dans le monde et non pas dans certaines régions du monde. Pensez par exemple au phénomène contemporain du sans-abrisme. La pauvreté a un effet particulièrement néfaste sur les femmes, les piégeant souvent dans un cycle vicieux de circonstances peu désirables, se soldant souvent par un isolement, par un abandon, avant qu'elles ne soient forcées à prendre des décisions désespérées.
Comme le pape François l'a dit, la voie de la paix exige le respect de la vie, de toute vie humaine, à partir de celle de l'enfant à naître dans le sein de la mère, qui ne peut être supprimée ni devenir l'objet de marchandage. La pratique de ce que l'on appelle la gestation pour autrui représente une violation grave de la dignité de la femme et de l'enfant, fondée sur l'exploitation de situations de mère dans des situations de besoins matériels. Le Saint-Siège espère que la communauté internationale fera un effort pour interdire cette pratique partout dans le monde. La dignité des migrantes et migrants doit être défendue. Les personnes cherchant refuge ne doivent pas être rejetées. Non, elles doivent être accueillies avec respect et un sens d'humanité. Autre affront à la dignité humaine, la traite de personnes. Cette pratique illégale et surtout déshumanisante doit cesser. Et les trafiquants doivent répondre de leurs actes devant la justice. Intrinsèquement liée à la dignité de la vie humaine, la prise en charge de notre maison commune, les effets des changements climatiques frappent surtout les pays les plus pauvres, qui ont le moins contribué au changement climatique, mais qui doivent assumer le poids de ces effets. Les nouvelles technologies et leur essor s'accompagnent de possibilités et de risques. Pensons surtout à l'intelligence artificielle. Il faut garantir, préserver un espace pour que l'être humain puisse garder le contrôle sur les choix de l'intelligence artificielle. À la lumière de la tragédie des conflits armés, il est urgent de réfléchir à nouveau à la mise au point, à l'utilisation de services comme ce qu'on appelle les systèmes d'armes létales autonomes et de mettre hors la loi leur utilisation. Aucune machine ne devrait pouvoir choisir de prendre la vie d'un être humain. Il faut créer un cadre réglementaire, éthique, juridiquement contraignant. Il doit être négocié, que ce soit pour les secteurs militaires ou non militaires. Le Saint-Siège est convaincu du fait qu'un monde exempt d'armes nucléaires est à la fois nécessaire et possible. Le but d'un monde exempt d'armes nucléaires ne sera atteint que grâce à des discussions fondées sur la confiance mutuelle. Il est évident que le respect des accords internationaux en matière de désarmement et que le respect du droit international ne devrait pas être perçu comme une forme de faiblesse. Non, le Saint-Siège renouvelle son appel à un désarmement à la fois total et complet. Malheureusement, comme l'a dit le pape François, nous sommes les témoins d'une troisième guerre mondiale fracturée. À la lumière de la tragédie de la guerre russe en Ukraine, nous nous heurtons à une situation qui appelle à ce que l'on prenne des mesures immédiates pour éviter une détérioration supplémentaire de la situation. Il faut, au contraire, créer une voie qui nous mènera à une solution juste et pacifique. Les efforts diplomatiques sont cruciaux, certes, mais il est évident que pour l'instant, l'engagement militaire demeure la première solution et dès lors, il est crucial d'encourager tout geste de bonne volonté et de permettre un dialogue direct entre les parties impliquées. Le Saint-Siège se préoccupe encore et toujours de l'instabilité qui déchire le Moyen-Orient, surtout après l'attentat terroriste du 7 octobre 2023 en Israël perpétré par le Hamas et par d'autres groupes palestiniens armés. Cela étant dit, la riposte militaire d'Israël, à la lumière du bilan civil très lourd, s'accompagne d'immenses et de nombreuses questions quant à sa proportionnalité. Le Saint-Siège appelle à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, en Cisjordanie, et à une libération de tous les otages, israéliens à Gaza, et insiste pour que la population palestinienne ait accès à une assistance humanitaire. Le Saint-Siège réaffirme que la seule solution est une solution à deux États, octroyant à Jérusalem un statut spécial. Le Saint-Siège exprime des préoccupations très vives quant à la situation à Jérusalem, où
le harcèlement et la discrimination existent, ruinant la coexistence pacifique des chrétiens, des juifs et des musulmans. Nous condamnons tout acte anti-chrétien perpétré, comme ceux qui ont été perpétrés il y a quelques mois par une minorité de personnes de confession juive, et nous appelons les autorités à s'opposer à ces dérives idéologiques avec fermeté et clarté. La situation au Liban est une source de préoccupation très vive pour le Saint-Siège. L'intensification du conflit entre le Hezbollah et l'armée israélienne représente un risque pour toute la région. Le Saint-Siège exige de toutes les parties qu'elles respectent les principes du droit humanitaire international et mettent fin à l'escalade, entamant un cessez-le-feu sans délai. En outre, le Saint-Siège insiste sur la crise humanitaire en Syrie et exhorte la communauté internationale à en faire davantage pour soutenir le peuple syrien qui a perdu tout espoir en l'avenir. Le conflit armé qui frappe le Soudan s'est soldé par une crise humanitaire sans précédent. Des personnes déplacées, surtout des femmes et des enfants, succombent à la faim et à la malnutrition. Le Saint-Siège appelle la communauté internationale à promouvoir des négociations de paix et à fournir à la population une assistance humanitaire ô combien vitale. Le Saint-Siège appelle à davantage de soutien humanitaire dans la province de Cabo Delgado au Mozambique, frappée par les conflits armés depuis plusieurs années, cette année à vrai dire. 950 000 personnes ont été déplacées dans leur propre pays, des personnes confrontées à des niveaux alarmants de souffrance, d'insécurité et de pauvreté. La situation dans l'est de la République démocratique du Congo se détériore rapidement, menant à un renforcement préoccupant de la crise humanitaire. Le retrait de la MONUSCO d'ici à la fin de l'année devrait créer un vide insécuritaire. Et il est essentiel de continuer à appuyer les efforts diplomatiques permettant de faire émerger une solution pérenne et appropriée au conflit. Le Saint-Siège suit avec vive préoccupation l'évolution de la situation sociopolitique au Soudan du Sud, aggravée par la crise humanitaire, par les inondations récente et le conflit. Nous appelons la communauté internationale à faire montre de solidarité avec la population et nous encourageons tous les dirigeants du pays à mettre le bien-être de leur population au centre de leur agenda politique. La prolifération des menaces djihadistes dans le golfe de Guinée est une source de préoccupation pour la sécurité non seulement du Sahel mais de toute l'Afrique de l'Ouest. Des chrétiens, des chrétiennes sont pris pour cible. Alors que les changements climatiques et les attaques armées aggravent la crise alimentaire et provoquent la déscolarisation d'enfants, une action immédiate et sur le long terme est nécessaire pour éviter que la région ne se déstabilise et pour que l'éducation demeure. Le Saint-Siège suit la situation dramatique en Haïti avec crainte et nous espérons que des mesures sont prises, soutenues par la communauté internationale pour établir un ordre démocratique et mettre fin à la violence. Nous espérons que cela mènera à la paix et à la réconciliation dans le pays. La situation est dramatique au Myanmar, tout comme la situation qui concerne l'aide humanitaire, tout à fait indispensable, exacerbée par la recrudescence du conflit armé ces dernières années et aggravée par des inondations, une autre source de préoccupation très vive. Le Saint-Siège appelle toutes les parties à chercher des solutions durables, pacifiques et à permettre un accès à l'aide humanitaire pour toutes les communautés touchées sans discrimination. Le Saint-Siège suit de très près l'évolution de la situation au Nicaragua et est vivement préoccupé par les mesures prises contre le personnel et institutions de l'Église, ce qui a un effet direct sur le dossier sensible de la liberté de religion. Nous espérons que, en plus des autres droits fondamentaux des individus et sociétés, cette liberté sera
garantie comme il se doit. De son côté, le Saint-Siège est ouvert à un dialogue empreint de respect constructif avec les autorités du pays afin de régler tous les problèmes et de promouvoir la paix, la fraternité et l'harmonie pour le bien de toutes et de tous. Les élections présidentielles qui ont eu lieu récemment au Venezuela ont prouvé que, en dépit des nombreux défis, le peuple vénézuélien continue à faire confiance aux valeurs démocratiques consacrées par la Constitution. Ces valeurs démocratiques sont fondées sur la souveraineté du peuple, exprimée grâce au vote. Une crise sérieuse a suivi l'annonce des résultats, accompagnée de plusieurs morts, de mises en détention, notamment de mineurs, avec une recrudescence de la violence. Et le Saint-Siège, attristé, préoccupé, insiste pour que les autorités du pays et que toutes les personnes responsables de ces actes respectent et protègent la vie, la dignité, les droits fondamentaux et les libertés fondamentales des Vénézuéliens et Vénézuéliennes. En outre, nous les appelons à trouver des solutions pour le bien de toutes et de tous, notamment grâce à l'assistance des membres de la communauté internationale qui se sont déclarés désireux de les aider de façon à la fois souple et raisonnable. Le Saint-Siège encourage les pourparlers entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour qu'ils puissent continuer le dialogue, venir en aide aux personnes déplacées, respecter les lieux de culte des différentes religions et parviennent à un traité de paix final entre les parties dès que possible. Le Saint-Siège soutient les aspirations des pays des Balkans à adhérer à l'Union européenne et nous espérons que cet objectif sera réalisable le plus rapidement possible. Certes, le désarmement encourage la paix entre les nations, mais il faut aussi permettre la paix au sein des sociétés par le truchement de la démocratie. C'est le résultat d'une acceptation bien réfléchie des valeurs qui inspirent les procédures démocratiques. La démocratie est basée sur les grands principes de la liberté d'expression et sur le principe fondamental du respect de la volonté du peuple. Ce qui sous-entend que il peut y avoir des changements au fait du pouvoir. Cela étant dit, une tendance se renforce, une tendance à la modification des constitutions, de la modification des règles et procédures électorales afin que certaines personnes restent au pouvoir. La démocratie sous-entend le respect des règles établies et l'acceptation de la volonté exprimée du peuple. Le pape François l'a dit très clairement. Pour parvenir à la paix, il faut respecter les droits humains. Malheureusement, ces dernières décennies, certaines tentatives ont été observées, des tentatives de création de nouveaux droits menant à des cas de colonisation idéologique où la théorie du genre joue un rôle prépondérant. Cette théorie élimine les différences, gomme les différences en essayant, soi-disant, de mettre tout le monde sur un pied d'égalité, n'assurant pas l'harmonie entre les femmes et les hommes. Il est inconcevable d'associer le concept de droit avec la pratique de l'avortement qui implique de supprimer une vie innocente. Le Saint-Siège est très alarmé par le fait que certaines des violations les plus communes des droits humains aient lieu en matière de liberté religieuse. Les chrétiens et les chrétiennes sont les plus vulnérables à cet égard. Un chrétien sur sept est la cible de persécution. Monsieur le Président, nous devons repartir aux sources, à l'esprit, aux valeurs qui ont permis l'émergence de notre organisation, tout en prenant en compte aussi l'évolution de notre contexte. La réforme la plus nécessaire, la toute première réforme, doit être la reprise d'un dialogue à la fois franc et sincère. De toute évidence, sans dialogue, sans un échange franc de perspectives, même lorsqu'il y a un désaccord, il sera impossible de parvenir au consensus et à quelque accord que ce soit. Le Saint-Siège, comme
il l'a toujours fait lors de ces six décennies de présence à l'ONU, continuera de soutenir les travaux de l'organisation et fera entendre sa voix, défendant les pauvres, les personnes dans les situations les plus vulnérables, soutenant tous les processus et toutes les initiatives de paix. Je vous remercie, Monsieur le Président. Au nom de l'Assemblée générale, qu'il me soit permis de remercier le secrétaire d'État du Saint-Siège.